Salut à toutes et à tous, c'est Felkill. Hop, oh, merde, la caméra elle est de travers. Ah, moi. Récemment sur YouTube, à la télé, à la radio, c'est compliqué d'y échapper. Y'a moyen que vous ayez entendu ce refrain de Gambi, popopo. Le mec fait un raz-de-marée de stream sur toutes les plateformes, franchement c'est impressionnant. Et même si je dois reconnaître que je comprends pas forcément grand chose à ce qu'il raconte des fois, j'ai cramé l'enveloppe, y'a plus Werther. Je mets les couettes de Pouka dans la ma Pouka. Des rimes en A tout à fait délicieuses. J'avoue que je comprends pas plus que Pouki d'Aya Nakamura. Mais bon, en attendant, il faut bien reconnaître le fait que ça reste un morceau vachement enjaillant. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour faire l'analyse de Gambi, si c'est bien ou mal, peu importe. Moi aujourd'hui, j'avais envie de m'auto-relever un petit défi, celui de remixer Popopo de Gambi, non pas dans un style, ni deux, ni trois, ni soleil, mais bien 10 styles musicaux différents. Et comment va-t-on procéder pour ça, Jamy? On regarde la vitesse du morceau de basse qui est de mémoire 130 bpm, battements par minute, ça veut dire pom pom pom. On va regarder aussi la tonalité du morceau, ça veut dire quels accords, quelles notes on va pouvoir jouer par rapport à cette musique sans que ça sonne faux, qui pour popopo est le do mineur, vous le saurez. On récupère la capella du morceau non pas grâce à mon marteau magique, Gambi, qui lorsque je fais ça... mais plutôt grâce à un logiciel de musique qui va me permettre d'isoler juste la voix et de virer les instruments, et hop, on peut commencer à travailler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le résultat final. En attendant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu travailler sur chaque partie en résumé. Vous allez voir, c'est rigolo. Pour savoir avec quoi on commence, lançons d'abord la grande roue des styles musicaux. La GRDSM. Télé, le rock. Pour ça, une ligne de batterie super simple, un peu dans le même délire d'une façon que la musique d'origine, une guitare un peu vénère, et ça part. Deuxième remix, version trap. Je pense qu'on va faire du coup exactement ce à quoi aurait dû ressembler le morceau si ça avait été une version trap plus qu'électro. Pour ça, c'est facile, une boucle de percussion avec des kicks, des basses, des petites cymbales, tac tac, un peu rapide. Et accompagné de tout ça, on va reprendre le même instrument qu'on entend en intro du morceau, cette petite cloche là. Et d'ailleurs, je pense savoir exactement comment est-ce qu'il a été fait ce son. C'est fait avec un logiciel de musique que j'ai qui s'appelle Omnisphere. Et d'ailleurs, écoutez le résultat, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est un son qui est couramment utilisé dans ce genre de musique, mais qui fait bien le taf. Pour la version reggae, comment ne pas caler une petite guitare à contretemps toute lente comme ça ? Accompagné de son chelou et typique du style, ah, ça. Ou ce petit son également. Pour contraster complètement ensuite, pourquoi ne pas se faire un petit remix dubstep? Ce sera le remix le plus crado de tous, je pense, mais tout en restant simple. Grosse caisse, caisse claire, bien typique du dubstep. Avec une basse bien méchante par-dessus. Ensuite, transition, on passe à la musique classique, musique de film. Complètement à l'opposé au niveau des sonorités, là cette fois-ci on va utiliser beaucoup de vrais instruments, genre des clavecins, des violons, des trompettes pour faire une belle harmonie comme ça. Tout en reprenant la mélodie du début, mais cette fois-ci avec des chœurs. On en profite d'ailleurs à ce moment-là, à la fin de cette partie, pour re-ralentir un peu la vitesse du morceau, pour retourner vers du 120 battements par minute pour quelque chose de plus reggaeton. Les îles, le soleil, les cocktails, la sticas, Despacito, waouh. Grosse caisse claire, assez typique comme ça. Une basse qui reprend toujours cette fameuse mélodie, et un instrument un peu plus aigu qui reprend la même chose. Pour enchaîner ensuite sur un nouveau style, qui est pas si nouveau que ça d'ailleurs, on va se la faire l'over un peu R&B à l'ancienne. Pour ça, des percussions toutes lentes et toutes douces. Comme les accords qu'on mettra par-dessus d'ailleurs, tout doux également. D'ailleurs, la voix de Gambi à ce moment-là, on va la blinder d'effet pour avoir un truc quasiment perché un peu comme ça. Vous entendez l'écho. Après ça, on passe à la partie Electro House. Avec tous les stéréotypes que vous pouvez connaître, les caisses claires, les bruits fous, les... tous les trucs qui vont pouvoir faire un peu monter la sauce. D'ailleurs, pour finir avec un dernier genre, petite surprise que je vous laisse découvrir avec le résultat final et les 10 styles musicaux réunis dans un seul morceau. Vous pourrez apprécier lors de cette performance la qualité de mes déguisements. Avant de regarder le résultat, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications. Et mettez-moi en commentaire le remix que vous aurez préféré après les avoir écoutés. Je suis curieux d'avoir votre avis et pourquoi pas, je sais pas, 10 000 pouces bleus, je sortirai en téléchargement gratuit le remix qui aura été le plus apprécié. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Un petit fume, un grand lâche, ça veut rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas à gâte, la boca, j'ai ralasse la boca. J'ai cramé l'enveloppe parce que j'ai plus Wanda. Allez, condé, à Capuco, je dis font 6 000 les côtes de Dieu, Pouka, 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 touche le Mapuka. Il faut des bonbons, je dois passer chez le 4. Alors, à bout, comment va la nuit? Mets-moi un mur.
l'on garde le reste et la mine. Sur les craquettes de la chapelle, c'est pour pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la date. Tu vends mais tu la vends juste pour fumer. T'es qu'un client, Aline, n'a jamais défoncé. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. Happy, cash it all for us. Just so black, black,